Et bonjour les amis, bonjour à vous tous. Une nouvelle vidéo concernant donc la Mercedes C200 CDI de 2006. Donc voilà, j'ai un petit souci, c'est qu'elle passe pas au contrôle technique. Donc voilà, donc après toutes les réparations que j'ai faites, je suis allé donc passer mon contrôle. Le contrôle, on m'a dit que j'avais donc les amortisseurs qui étaient morts, j'avais un soufflet qui était barré, les phares qui étaient déréglés et la pollution qui passait pas à cause du voyant moteur qui sortait lorsqu'on accélérait à 3800 tours en moyenne. Peu de temps avant, j'avais changé le... Quand ça m'est arrivé, j'avais un voyant moteur, j'avais changé justement le capteur rampe, parce que ça mettait pression élevée dans la rampe via la vanne de régulation. Donc j'ai changé d'abord le capteur de pression, puis le voyant moteur, nickel, donc c'est là que je suis allé donc, au contrôle technique, et quand il a accéléré, j'ai eu exactement le même message avec le voyant moteur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, vu que j'ai changé le capteur pression, c'est forcément maintenant la vanne de régulation. Donc j'ai changé le régulateur de pression. Et là, j'accélère à fond. Plus de voyant moteur, j'étais quasiment en zone rouge. Donc nickel, je dis c'est bon, mon problème il est résolu. Je me pointe, je vais rendez-vous mercredi pour ma contre-visite. Et normalement, tout devait être nickel, quoi. Et arrivé à mi-chemin, surprise, j'accélère, voyant moteur qui sort. Je repasse la valise, exactement le même message, trop de pression dans la rampe. Donc là, je me suis dit, il y a un souci. Donc j'ai l'intention de regarder ça plus en détail, parce que sans... si j'ai toujours ce voyant moteur, forcément la contre-visite ne pourra pas se faire et je ne pourrai pas rouler. Bon, voilà, j'avais changé donc ce fameux capteur pour que tu vois mieux. Ça, c'est le capteur de pression rampe. Et le régulateur de pression, c'est celui qui est à l'autre bout, là où il y a la prise électrique. Donc j'ai changé celui-là. Pour bien faire, j'ai changé sur le circuit carburant aussi le filtre, comme ça au moins je suis reparti sur une bonne base. Et puis voilà, quoi. Donc ça c'est ce qui était prévu. Donc là, je me suis dit que ça pouvait venir aussi du capteur de débit, c'est-à-dire en côté basse pression sur la pompe à injection, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est ce que tu vois avec le rond, juste au-dessus de la courroie, ce capteur-là. Donc j'ai en commandé un, comme ça tient par trois vis. Je me suis dit, lui, je ne l'ai pas changé. Donc au moins, je vais repartir sur une bonne base avec tous les capteurs neufs, comme ça au moins, il n'y aura pas d'ambiguïté là-dessus. Et en plus de ça, je me suis dit, ouais, mais ça se trouve, c'est peut-être aussi un injecteur qui envoie peut-être trop de... qui a peut-être un problème, comme ils sont d'origine, ils ont 456 000 km, je me suis dit, ça peut venir de là aussi également. Donc pour savoir si j'ai un injecteur qui est bon ou pas bon, j'ai passé la valise, j'ai regardé les pressions, donc ça varie de 302 à 312 bars. Donc j'avais 302 pour un, 305 sur un autre, 307, 309... Et par moment, ça montait à 312 bars. Quand je suis au ralenti, après, ça monte beaucoup plus haut, forcément, quand on accélère. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être aussi être dû à l'histoire de plus de débit. Donc, si plus de débit, forcément, on se retrouve avec beaucoup plus de gasoil dans la rampe. Bon, c'est ce que j'interprète la chose comme ça. Donc, et puis voilà. Donc, pour ça, on va essayer de mesurer le débit de chaque injecteur. Et en fonction du niveau dans les injecteurs, dans les fioles, ça va nous permettre de savoir s'il y a un qui donne plus que l'autre et voir s'il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc j'ai acheté ce coffret à 35 € sur Amazon. Bon, t'as à tous les prix. Hein. Donc ici, toi, on a une fiole. On a 6 fioles. Donc forcément, si tu avais 6 cylindres, bon, moi c'est un 4 cylindres. Donc. On peut faire comme ça. Autrement, tu peux te brancher après suivant les... Comment c'est... Donc, sur ce modèle-là, je ne pourrais pas utiliser ça. Normalement, celui de gauche. Espèce de petite éprouvette. Et puis, voilà. Donc déjà, on va essayer... Donc, pour mesurer, c'est sur les retours que ça se passe. Donc les retours, c'est ce que tu as sur le dessus des injecteurs. Tu vois, là où c'est un peu effiloché. C'est ces tuyaux de retour. Donc on va débrancher tout ça. Et puis on va essayer de mettre notre appareil en place. Démarrer le moteur et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, on va avec une pince plate, tu la tiens bien pour pas que ça tombe.
Sinon, c'est compliqué. Ce qui est pénible là-dessus, c'est que ça n'a aucune notice. Débrouille-toi avec ça. Donc ici, tu peux voir si tu as des calibres, on va dire 0,1, 0,2, 0,3. Donc tu as tous les 0,1 qui sont complètement à gauche, tous les 0,2 au milieu et les 0,3. Apparemment, tu as plusieurs embouts. Donc tu les essayes. Alors moi, a priori, c'est les 0,1 qui vont dessus. Donc là, j'ai mis les 0,1 et j'ai remis les petites agrafes. Donc j'en ai mis les 4, tout voilà. Ça part jusqu'au fiole. Et puis voilà. Donc voilà, en espérant que ça tienne, ça se barre pas et que j'en mette pas partout. On voit, ça remplit plus d'un côté que de l'autre pour l'instant. Oula, oula, oula. Vachement de retard sur ceux du milieu. Bon, là, on peut voir que les trois... Ah, c'est chaud. Les trois du milieu soient... Bon, ils sont usés quand même, apparemment. Mais comme tu peux voir, celui complètement à gauche, là, il en voit de trop. Donc, pour moi, c'est lui le problème, le fautif. Il doit être un peu fatigué. Normalement, tu devrais avoir une usure, on va dire, à peu près similaire partout. On fait un deuxième essai. Le moteur, il tourne bien quand même. C'est ça que je crois. Là, quand tu regardes celui du milieu ici, celui-là, là, et l'autre de droite, ils sont kiff-kiff. Celui-là, ça va à peu près. Bon, l'autre de gauche, c'est même pas la peine. Lui, on va dire qu'il est hors catégorie. Il fait quasiment la moitié de plus. Allez, rebonjour. Donc, me voilà, ça y est, j'ai enfin commandé donc mon injecteur. Je l'ai eu. Donc, il n'y a plus qu'à le monter sur la voiture. Donc, il s'est livré avec un joint cuivre qui va dessus. Donc, il faudra forcément enlever les bouchons jaunes. Au niveau de la tête de l'injecteur. Enfin, la tête, au niveau du. Du bas, hein, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, il faudra que virer tout ça. Ensuite, pour pouvoir retaper le code à la valise, alors ça c'est marqué en là, c'est à 7 caractères. Donc je ne sais pas si tu vois, c'est en gros, c'est ici. Donc je vais te le lire, c'est CBB, CCEB. Voilà, c'est ça qu'il faudra que je rentre à la valise à la place de l'autre code qu'il y a actuellement. Donc voilà pour ça. Donc là, ça me fait un injecteur à 202 €, c'est du reconditionné, donc forcément si tu veux un neuf, il faut compter 300, je crois que c'est dans les 300 et quelques euros, 305 €, 303, je ne sais plus exactement. Et puis voilà, donc j'ai repris un reconditionné, déjà pour commencer. Donc j'ai 39 € de consigne, tu peux choisir avec ou sans consigne. Donc là c'est ça attrape là, que j'ai acheté ça chez AS Injecteur. Et puis, donc voilà, il n'y aura plus qu'à ramener. Dès que j'aurai ramené, bah, ils me rembourseront les 39 €. Donc, ça me fait un injecteur à 163 € exactement. Donc, assez de blabla. Donc là, maintenant, on va aller sur la voiture. On va démonter l'ancien. Et c'était celui où j'avais eu des problèmes de filetage culasse. Où dedans, il y a une... Parce que normalement, ici, c'est des... Je suis allé chez Mercedes, que je ne sais pas comment on allait me livrer des joints avec. Normalement, c'est ce type de vis. Et sur ce type de vis, bah, je ne vais pas la mettre parce que j'ai mis dans la culasse une tige filetée avec des écrous. Parce que bah, tout était foiré. Donc voilà, c'était le 6MD et ça a toujours tenu comme ça. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va monter ça sur la voiture. Allez, on y croit. La tige a l'air de tenir. Allez. Ça y est, c'est branché, le clip s'est bien remis, tout va bien. Là, on entend sa gargouille. Bon, le moteur, il tourne. Bon, voilà pour ça. Ça y est, je viens de retirer. Donc, ça tient par trois vis, hein, comme tu as pu voir. Il n'y a rien de sorcier. Et puis, une fois que tu as fait, voilà. Si ici, tu nettoies le plan de joint,
bah, la partie où tu vas venir plaquer ton régulateur et tu remets tes trois vis et tu serres. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de sorcier, tu rebranches. Allez, on passe la valise, on va reprogrammer l'injecteur. Donc, voiture entretien. On va aller maintenant dans l'injecteur en bas. Voilà. On valide. On va aller sur Mercedes, bien sûr. Voilà, donc je fais ça pour n'importe quelle voiture. On valide en classe C. 203 en bas, c'est bon. C'est la C200, pas de problème, on valide. Donc, bien sûr, t'as mis le contact. Hein. Voilà, comme ça, hein, il n'y a pas de problème. On fait OK, F2. Quantité, s'il dit entrée, OK. F2, on valide tout ça. F2 encore. Communication. Donc voilà, donc faut, pour te rappeler, c'est lequel cylindre que tu viens de faire. Donc tu regardes sur ta tête d'injecteur, tu as les lettres. Donc voilà, donc moi c'était le B1B G4 que je vais remplacer. Ah si, voilà, avec la flèche en bas. Voilà. C. BB. Encore C. CC. Et c'est EB. Tac, tac. On revient en arrière. OK. Donc on revérifie. CBB, CC, EB. CC, EB. OK. Donc on fait finish. Je fais F2. Donc c'est dit que c'était avec succès. Là, on peut le voir qui est là sur le cylindre 4. CBB, CC, EB. Voilà. Il a été programmé. Donc on fait F2. OK. Puis voilà, normalement c'est terminé. Donc ça y est, tout est monté, tout est serré. Donc, le moteur vient de tourner. On repasse la valise. Bon, j'efface le défaut simplement. Je vais remonter dans les tours après. Donc voilà, pour effacer. Oh, c'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Allez, on va vite. Voilà. Hop. Ensuite, directement au but, voyons moteur. Donc CM, c'est ce qui m'intéresse. Donc là j'ai le moteur qui est chaud, donc c'est ça qui est bien. Donc on va pouvoir faire directement le truc. Donc une lire code, donc ça me mettait via la vanne de régulation. Attends, historique surveillance. Ah. Surveillance de la pression du rail via une vanne de régulation du volume. La pression du rail est trop élevée. Ah, il était en actuel tout à l'heure. Ah là, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Donc on efface. Ça, ça me va très très bien. Effacer l'historique erreur, OK. Donc, je n'ai plus le voyant moteur. S'il est passé en historique, c'est que je vais pouvoir accélérer. Putain, c'était ça. Ah, c'est pas vrai, quoi. Il ressort. Faut jouer. Le problème est toujours là. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser la... Je vais recontrôler les débits. Attends, mais là, il y a un problème. Quoi. Voilà, je viens de refaire un test de débit. Donc le 9, c'est suite complètement à gauche. Ce du milieu, il était bien celui-là. Et donc les deux autres, ils sont largement au-dessus. Hein. Donc là, maintenant, je vais regarder c'est lesquels. J'ai suivi les tuyaux, savoir c'est lesquels qui sont morts. Et comme ça, bah, je verrai pour les changer. Ah, donc on va suivre le premier tuyau. Donc celui-là, c'est le 9. Donc celui-là, on ne va pas le faire. Ça se fait de gauche, c'est ce que je disais. Celui-là. Donc il y aura celui-là à changer. Le troisième. Donc celui-là, il est bon. Donc il y aura ces deux-là. Un et celui-là.
le premier et le troisième à changer. Bon les amis, voilà, regarde, chaîne desserrée, il monte. L'autre c'est pareil, il monte. En plus ça tombe bien, c'est celui où il y a la prise de cassé. Donc je vais les changer ces deux. Tu vois, ça m'a pris 2 minutes pour les enlever. Quoi. À part l'autre là qui m'a enquiquiné, mais enfin bref. Donc me revoilà, ça y est, j'ai reçu mes deux injecteurs. Enfin, je suis allé les chercher tout à l'heure à Trappes chez AS Diesel Injecteur. Donc c'est vraiment une toute petite boutique, super sympa en tout cas. Et au moins c'était du rapide. Donc voilà, ils sont implantés à Saint-Quentin. Donc ça y est. Donc je vais t'expliquer vite fait. Donc logiquement, le problème de trop de pression dans la rampe devrait disparaître. Je t'explique pourquoi. Parce que si t'es pas un spécialiste du... de l'injecteur, tu sais qu'un injecteur, ça pulvérise. Donc voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, entre la boule, juste là, et la partie cylindrique ici, ça fait un peu conique. Et dedans, tu as du... On les voit pas à l'œil nu, mais c'est... tu as des trous de pulvérisation. C'est-à-dire que le... quand c'est dans le moteur, l'injecteur, lui, il va t'envoyer du gasoil, une certaine quantité. C'est le calculateur qui va faire le dosage pour pouvoir injecter justement dans le cylindre. Et si c'est bouché, donc ça ne peut pas pulvériser, tu es d'accord avec moi. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que bah, comme ça ne peut pas sortir, c'est comme un tuyau d'eau. Hein, c'est la... Comme il ne peut pas évacuer, bah, il faut que ça passe d'un autre côté. C'est-à-dire qu'il va remonter par les retours. Donc tu vois là où il y a le petit bouchon jaune, ça remonte par les retours et c'est comme ça qu'on a vu que le niveau était élevé. Donc là, je viens d'enlever les deux joints. Je vais nettoyer les deux puits d'injecteur. Après, je vais les mettre. Donc j'ai relevé les numéros sur un morceau de papier. Comme ça, je sais que pour le cylindre 1, ça sera celui-là, c'est... Je sais plus, c'est SIANB. Enfin bref, celui-là, il sera là, que je vais mettre là. Mais avant, je vais tout nettoyer. J'ai tout nettoyé au nettoyant goudron. Ensuite, je vais passer un coup de soufflette. Donc, j'ai tout ramené. Et puis voilà quoi. Donc, ça y est, c'est tout propre au fond. L'autre, pareil, j'ai gratté partout. Là, je vais mettre de la graisse cuivrée sur l'injecteur. Et je vais le descendre dans le puits. Et puis voilà quoi. Donc, ça y est, là, je viens de remonter tous les injecteurs. Donc, ça fait déjà plus propre au niveau de la prise. Vu que j'ai changé, elle est plus cassée comme avant. Allez, on va se le faire, on se refait un test de... Enfin, appelle ça un test retour pour le final, pour valider. Et après, on verra si le voyant, il continue à revenir. Normalement, ça devrait être bon. Et on refait un test de débit, donc c'est les 4, hein, les 4 de gauche. Ce qu'on voit complètement à gauche, lui, par contre, il est... C'est lui qui a été changé, hein. Et les 1 et 3, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, la différence, c'est un problème. Quoi. Ouais, c'est bizarre quand même. Le truc là, ça m'inquiète un peu. Quoi. Donc, ça y est, les amis, j'ai reçu donc l'injecteur numéro 4. Donc, j'ai changé le numéro 2. Donc, c'est celui-là, le deuxième partant de la calandre. Donc, voilà celui-là. Je l'ai changé parce que ça n'allait pas. Ensuite, le 4, donc il y avait un problème, c'est qu'il bah, donnait autant que le 2. Je l'ai ramené à AS Diesel, donc ils m'ont... Apparemment, ils auraient changé quelque chose dessus, ils l'ont testé. Donc l'autre, celui que j'ai ramené, a priori, il donnait pas assez dans les cylindres, d'après ce qu'il m'a dit. Parce qu'ils ont une tolérance, quand c'est des injecteurs qui sont reconditionnés, il y a une tolérance à respecter. Et là, il était légèrement au-dessus. Donc voilà. Donc j'ai vu qu'il m'a ramené exactement le même, donc je suppose qu'il a dû changer les choses dessus, qu'il a dû faire ce qu'il fallait. Et donc voilà, donc il est remonté à poste, c'est exactement les mêmes numéros. Donc j'ai passé à la valise, donc le numéro 2 pour mettre les nouvelles inscriptions. Donc j'ai fait exactement pareil que lors de la vidéo pour les autres. Ça se fait exactement pareil. Donc là c'est branché, on va démarrer et on va vérifier les débits. Et j'espère, je croise les doigts pour que les débits soient identiques quasiment. Que ça puisse être enfin opérationnel. Un peu plus cohérent, c'est un petit peu au-dessus de 1 et 3, donc ça fait pas le double, donc déjà ça c'est déjà une bonne chose. Enfin, ça y est, j'ai tout remonté,
Donc là maintenant on va faire chauffer un petit peu et accélérer, voir s'il n'y a pas de souci. J'espère qu'il n'y aura plus de problème. Hein. Allez, on regarde et là je suis dégoûté, regarde. 2005. Et voilà, je vais monter un petit peu au-dessus et tu vas voir. À 3000 et quelques, voilà. Voyons, moteur qui ressort et toujours pareil, trop de pression dans la rampe. Là, je sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Donc voilà, donc ça c'est la, pour que tu comprennes un peu. Ici, c'est le circuit de combustible. Donc ici en bas à droite, on a le, en gros, on va décomposer donc notre circuit en trois phases. C'est-à-dire que tu as la partie basse pression, c'est-à-dire tout ce qui va partir. Donc ici, comme on peut voir, le réservoir, c'est la grosse partie là. Ensuite, on emmène via la pompe électrique qui est immergée dans le réservoir. Ici vient un tamis, donc le tamis c'est un genre de fil, c'est un genre de crépine. On va aspirer, ça va passer, déjà une première filtration au niveau de la crépine. On arrive dans notre filtre à gasoil, le filtre à gasoil on le traverse, on ressort et on arrive sur notre pompe HP. Une fois que la pompe HP prend le relais, on envoie sous haute pression via le... Moi, c'est celui qui est transparent, moi qui est en clair, là, voilà. Ici, c'est le circuit B. On va arriver dans la rampe injection et les injecteurs par la partie HP. Ensuite, on a les retours. Donc, les retours, en bout de rampe, on a un tuyau qui part là, qui est relié par un T au retour de chaque injecteur. Et ensuite, ça va aussi... un retour au niveau de la pompe, là, voilà. Tout se relie. Et ça retourne au réservoir, tout simplement. Donc ici, on a aussi, sur le côté, c'est ton régulateur de débit. Donc lui, il a été changé. Lui, l'injecteur, les quatre ont été changés. Le filtre a été changé. On a changé le capteur qui était en pression de rampe, le régulateur de pression. La sonde de température carburant qui a été changée également. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, comme je le disais au cours de la vidéo. Et puis voilà quoi. Alors là maintenant je soupçonne peut-être les retours au niveau des T qui viennent dessus là. Est-ce que c'est pas bouché à ce niveau là au niveau du HP, à savoir plus ou moins. Bon, ce que j'ai envie de voir, c'est que je pense que je vais tout démonter, mais avant j'ai passé la valise, donc la CR Pro d'Icarsoft, donc celle qui est à côté hein. Et on va essayer de regarder déjà les pressions. Les pressions, j'étais déjà à 305, 302, 305, 307, 312 bar, un truc comme ça, avant de changer les injecteurs. Donc là, on va essayer de regarder, voir ce que ça donne. Une fois que les, avec des injecteurs reconditionnés. Là, si je viens de passer un coup de soufflette dans chaque embout, dans chaque tuyau, donc il n'y a rien de bouché, donc déjà c'est une bonne chose. Donc, là, je vais défaire la rampe et puis je vais vérifier la rampe. Là, j'ai permuté la vanne de régulation, toujours pareil. Là, c'est monté un peu plus dans les tours, on va dire, par rapport à tout à l'heure, ça sortait à 2005. Donc là, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe. Mais bon, ce que je veux faire, c'est virer la rampe et regarder, tu sais, de l'autre côté, voir si c'est bien débouchant, s'il n'y a pas un souci, un truc
Mais bon, j'y crois pas trop, mais bon. Parce que le gasoil a quand même des priori... des qu'on appelle ça des. Une partie lubrifiante en gros, donc logiquement, je pense, je vois pas pourquoi ça ferait du. Bon, que ça fasse du caramel, mais j'y crois pas trop, quoi. Ça m'étonnerait, quoi. Donc ça y est, je viens de tout contrôler, j'ai passé la soufflette dans les durites de tous les côtés, j'ai viré capteur de régulation, j'ai le capteur de pression, j'ai passé à l'intérieur un coup de soufflette partout. Il n'y a rien d'obturé à ce niveau-là. Donc les retours, a priori, là c'est au niveau du HP, mais au niveau du petit retour, là j'ai enlevé la vis ici. Il n'y a rien, c'est une vis débouchante avec deux joints qui traversent de part en part. Donc il n'y a rien qui puisse faire que ça bloque quelque part. Donc, pour l'instant, je vois rien à ce niveau-là. Là, je vais remettre la rampe de ce côté-là. On va continuer l'investigation un peu partout. Ça y est, j'ai un tour monté, tout ce qui est tuyau HP, quelques colliers de retour, tous les tuyaux de retour. Tout est remis. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que là, ici, le régulateur de pression, j'ai remis l'autre parce que ça ne sert à rien que je mette le neuf, parce que c'est exactement pareil, a priori. Donc là, j'ai volontairement défait ici la prise du capteur de pression et je vais voir comment il me le sort à la valise. Comme ça, j'en saurai un peu plus. Et après, je vais faire ça exactement avec le régulateur de pression. Et un par un, comme ça, ça me permet déjà peut-être de m'ouvrir un peu plus les yeux, parce que là je comprends pas tout. Donc là, tu vois, le voyant moteur est sorti, donc il voit bien le capteur de pression rail, qui a un problème. Donc effectivement, j'ai débranché. Donc on va le rebrancher, on va voir ce que ça donne. Donc on va l'effacer, effacer, tac. Suppression réussie. On va relire les défauts, voir ce qu'il y a. Et en arrière. Il y a code erreur. Il devrait passer en historique là ce coup-ci. Aucun code trouvé. Donc là c'est déjà bien. Donc on élimine ce problème là. Je viens de débrancher les vannes de régulation. Donc tout ici, il y a 14 valves de régulation de pression est interrompu. Normal, j'ai coupé le signal. Donc voilà. Donc là je suis sûr que c'est pas. Mon problème ne vient pas de là, ça c'est clair et net. Sinon ce serait marqué comme ça. Donc ici, on va effacer le défaut. Actuelle valve 1, tac tac. Ok. Suppression réussie. Ok. On revient en arrière. Logiquement, il aurait pu y avoir de défaut. Aucun code. Putain, j'avais pas démarré. Là, je vois qu'il arrive à démarrer. Là, on démarre, il n'y a plus de défaut. Comme dans les gules. Voilà. C'est gros, si elle est HS, tu n'arrives pas à démarrer. Je vais accélérer à fond. Et ouais, le voyant, il ressort, comme par hasard. J'ai débranché le capteur de, au début au niveau du filtre à air, donc ça m'a mis capteur de pression avant filtre à air, comme quoi c'était mis, et là après bah, j'ai défait l'autre, et toujours pareil, mais ça met toujours surveillance rampe, comment dire, pression rampe trop élevée, toujours pareil. Donc j'aurais essayé les deux, donc rien à voir avec le filtre à air, avec le débitmètre, je veux dire. Donc là, je ne comprends pas. Allez, bonjour les amis, me revoilà. Donc ça y est, j'ai reçu les. Je suis allé chercher du moins ce matin les injecteurs. Donc ça, c'est de l'échange standard. Donc c'est beaucoup plus cher que du reconditionné. Reconditionné, c'est 202 € si tu n'as pas de consigne. Et si tu as la consigne, tu enlèves 40 €. Mais il faut qu'il soit intact, il ne faut pas qu'il soit éclaté comme il était en début de vidéo. Hein. Là, ça ne marchera pas. Il faut pas que la prise soit abîmée, enfin bref, il faut qu'il soit nickel, il faut que tu arrives à les sortir normaux pour que la consigne puisse marcher.
Donc là, c'est du reconditionné, c'est du proche du neuf, c'est de l'échange standard garanti 12 mois. Donc pourquoi je l'échange? Parce que j'ai toujours ce voyant qui sort. Et donc j'avais une petite variation entre le 1 et le 3 et le 2 et le 4. Donc est-ce que c'est ça qui joue sur la pression? D'après Mercedes, non. Et d'après ce qu'il m'a dit Mercedes, ils m'ont dit que c'était sûrement un problème de retour, style un tuyau pincé ou une chose comme ça qui pourrait faire que mon voyant sort. Donc là, ce que je vais faire, je vais les monter, je mets de la graisse, je les positionne, je mets le joint. Je les serre comme d'habitude. Ce soir, je refais un essai de, qu'on appelle ça, de, au niveau des retours. Si j'ai toujours le voyant, après je vais me pencher sur les retours. Donc je vais déjà commencer par le haut du circuit, mais après je vais voir jusqu'au réservoir, je vais enlever le dessous de la voiture, je te montrerai tout ça en détail. Allez, c'est parti. Bon, c'est bon, ça tourne a priori. Ça me prend l'air de faire beaucoup de bruit. Bon, allez, je la rentre dans le garage. Allez, c'est parti, ça fait un petit moment que ça tourne. Allez, là, ça va, un goutte à goutte. Donc le 4, toujours pareil, complètement à gauche. Le 1 et le 3 ont été changés. En échange standard. Ah, regarde déjà. 1 et 3, regarde de 2. Ouais, tout est quasiment aligné. Quoi. Voilà, là, il n'y a pas photo. Là, ça me va, toi. Là, je préfère. C'est comme ça. Je suis super content. Maintenant, si le voyant il sort, c'est qu'il y a... C'est que ce n'est pas ça, c'est qu'il va pas chercher ailleurs. Ok ? Allez, j'arrête pour là. Pour moi, ça. L'essai, il est concluant. Allez, c'est parti, le moteur est bien chaud, on va accélérer, on va voir, j'espère qu'il n'y aura pas de voyant, normalement ça devrait être bon. Ah, moins drôle, là il est sorti plus à 4000, oh c'est pas vrai. Donc je repasse la valise et on regarde. Donc ça y est, là je suis en train de regarder dessous de la voiture, donc il y a tout qui est fait, même le cache, toi ici sur le côté gauche, c'est le long cache qui tient par des vis de 10 en plastique, donc je suis tout le collecteur, je ne vois rien, mais ici là, regarde-toi, on voit que c'est un peu rouillé au niveau des durites, donc je me suis dit qu'il y a peut-être, pourtant c'est du plastique qu'il y a derrière, je ne sais pas comment c'est foutu, bon enfin bref, ça n'a pas l'air d'être... Je me suis dit, je vois pas ce que je peux faire là-dessus. En tout cas, je vois pas que les tuyaux sont écrasés ou quoi que ce soit qui pourrait faire une différence de pression. Donc, je me dis que ça peut être une histoire de simplement de tuyaux qui est peut-être bouché à l'intérieur jusqu'au réservoir. Donc, on va retourner sur le dessus du moteur et on va passer un coup de soufflette. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'ici... Attends, je vais mettre la lumière, on voit rien. Ici, j'ai défait... Le T, donc pour savoir lequel est l'alimentation ou lequel est le retour, c'est simple à voir. Quand tu aspires, tu passes dans un filtre. Donc voilà, c'est celui-là qui arrive, qui descend. Et en gros, le retour, c'est celui-là qui arrive de la rampe. Qui part de la rampe, je veux dire, et qui repart. Là, ça vient de la pompe. Et ça arrive ici. Donc ce que j'ai fait, je vais prendre un morceau de sopalin que je vais mettre là. Et je vais étouffer ici et je vais mettre ma petite soufflette, tu vas voir. Et tout à l'heure, quand j'ai soufflé, il ne se passait rien. Et là, maintenant, on entend. T'entends ? Là, on voit que ça va jusqu'au réservoir. Et tout à l'heure, pourtant, je l'ai fait. Bah, ça avait l'air d'être bouché. Voilà. Donc là, maintenant, je vais remettre. Les tuyaux, les colliers, et ensuite on va essayer d'effacer déjà le défaut et puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Allez, regardez les amis, ça y est, j'ai
Oula. L'injecteur qui se barre. Là, c'est beaucoup moins drôle. J'ai un injecteur qui se barre. J'ai la tige filetée qui vient de se tordre. Je sais pas si tu vois. Attends, je vais te montrer. Avec la pression, je suis monté à 4000 tours. Il n'y a plus de voyant moteur, donc c'était bien un des retours qui était bouché. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Là, maintenant, au moins drôle, il faut que j'arrive à sortir On voit que l'injecteur, il s'est soulevé. Il s'est carrément soulevé. Le pas de vis, là, il s'est barré. Ah, ça... ouais, la tige filetée s'est barrée. Déjà, mon problème est trouvé. Ça, c'est une bonne chose. Là, je sais plus quoi faire. Bon, faut que j'arrive à le faire tenir, mais autrement, déjà de ce côté-là, c'est une bonne chose. Là, je viens de mettre, deux hélicoïdes dans le trou. Pour y avoir les autres, ils avaient barré, mais j'en ai mis deux. Apparemment, ça a l'air de tenir. La seule chose, c'est quand je mets la tige filetée que je viens serrer, ça la fait remonter. Donc, je me suis dit, si je mets une vis dedans, parce qu'autrement, tu vois que ça bouge pas au niveau de la tige filetée quand elle est rentrée dedans. Et c'est le fait de serrer, si tu veux, je peux pas faire écrou contre écrou. Au début, je le fais, mais après, ça va pas, ça fait remonter la tige. Donc, je me suis dit, je vais mettre une vis, ça devrait peut-être le faire. Donc, pour le refaire, j'ai pris cette vis-là, qui me restait d'une voiture. J'ai juste raccourci un petit peu, j'ai mesuré la hauteur entre le porte-injecteur et le trou, de façon à pas percer la culasse si c'était trop long. Donc là, a priori, ça a l'air d'être bon. Je l'ai raccourci un petit poil. Ici, je suis passé je crois que c'est 13 en 10. Et j'ai arrondi ce qui dépasse de façon à ce qu'il puisse passer au niveau de la tête d'injecteur. Ça, c'est le but du jeu. Donc là, je vais essayer de remonter ça vite fait. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, la galère continue. La vis, elle est foirée. L'hélicoïde, il me bouffe la vis, tout simplement. Donc voilà, je peux rien faire. Donc ça tient pas, t'as beau serrer, forcément au bout d'un moment, comme ça te bouffe le pas de vis, y a rien qui tient. Quoi. Donc je sais pas comment je vais faire. Alors, je pense peut-être à du bicomposant résistant à la chaleur. C'est-à-dire, il va falloir que je vire tout le... que j'arrive à ressortir cet hélicoïde, que je dégage, que je charge à l'intérieur peut-être, retarder derrière, je ne sais pas. En tout cas, je suis dans la merde. Ça y est, on dirait que ça a l'air de tenir. J'ai plus de jeu dans l'injecteur. Donc je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Donc voilà, ici j'ai remis mon truc que j'avais déjà fait à la base. Il est en appui sur la vis. Donc j'ai fait, au début je mettais la tige filetée. Et après je serrais d'abord un écrou au contact du porte-injecteur assez fort. Et normalement ma tige filetée elle bougeait pas. Quoi. Et ce qui s'est passé c'est que depuis, quand je visse mon écrou, ça fait remonter la tige filetée, donc ça tient pas. Donc je me suis dit, je vais faire autrement, quoi. Je vais mettre une vis directement et la serrer au contact. Donc la vis que je t'ai montrée, finalement, ça m'a bousillé le pas de vis, parce qu'il y avait deux hélicoïdes qui étaient dedans. Donc finalement, il n'y en a plus qu'un maintenant, parce que j'ai retiré l'autre, celui qui est, je sais plus où il l'a mis, Vincent. Je sais plus, c'est un morceau de ressort, je sais plus où il est là. Voilà, c'est celui que j'ai viré. Et comme il y avait un bout qui dépassait, c'est ça qui abîmait les vis. Donc lui, il est dégagé, mais il en reste toujours un dans le fond. Donc je me suis dit que en descendant ma vis, donc toi, celle-là, elle est morte, elle est toute tordue, bilan, j'ai mis de la tige filetée normale. Et je me suis dit que si je mettais écrou contre écrou à ras, donc j'ai mesuré bien sûr avant, avec un tournevis plat, la profondeur, pour être sûr que ça dépasse pas, quoi. Autrement, c'est un coup à traverser la culasse. Et finalement, je suis plus court. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait écrou contre écrou. J'ai serré à fond. Et c'est venu au contact du porte-injecteur. Et ça finit par me le bloquer. A priori, ça a l'air d'être étanche. Bon, je croise les doigts. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir dehors, la voiture. Comme ça, moi, j'ai pas le garage qui est encombré. Je peux sortir la moto. Je peux rentrer d'autres voitures s'il y a besoin. Et puis je vais accélérer à fond et je vais voir s'il n'y a pas si tout se passe bien. Si ça tient. Bon, voilà, bon, il fait beau. Aujourd'hui, j'essaie d'accélérer. On va voir ce que ça donne. Et je ne pas qu'il n'y a pas de soucis. On verra bien. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude, pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.
priori, il n'y a plus de défaut, ça a l'air d'être bon. Bon, ça a l'air d'être étanche. Il y a un peu partout, il n'y a pas de gazole qui remonte. Il n'y a pas de fumée qui sort, parce qu'à un moment, il y a de la fumée qui sortait, on n'a pas vu le problème. Bon, ça a l'air d'être bon. Hein. Bon, elle fume un petit peu, mais bon, c'est pas méchant. C'est normal, il fait froid. Bon, bah voilà, terminé pour ce tuto concernant la Mercedes. Donc là, il ne me reste plus qu'à passer le contrôle tech. Normalement, ça devrait le faire. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.